Bonsoir à toutes et à tous. Je vais déclarer la séance du conseil d'arrondissement ouverte. En 10.01, adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 7 mars 2022. Je propose l'adoption de l'ordre du jour appuyé par mon collègue Jocelyn Posé. C'est adopté. 10.02, approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 7 février 2022 à 19 h. J'en propose l'adoption appuyée par la conseillère Dominique Olivier. C'est adopté. 10.03, point d'information. Bonsoir et merci. Je vais commencer par prendre la parole en premier. Je laisserai ensuite à mes collègues. Alors, bonsoir et merci d'être présente et présent avec nous. Vous êtes quand même, on a les chiffres, on a les statistiques, vous êtes quand même quelques fidèles à nous suivre depuis le début de la pandémie. En virtuel, on apprécie parce qu'on se sent bien seul de faire ça dans nos bureaux ou maisons respectives. La bonne nouvelle, c'est que ça se termine bientôt et si la tendance se maintient, nous devrions reprendre un conseil d'arrondissement en personne le mois prochain, au mois d'avril. Quelques points ce soir dont je veux vous entretenir. Le premier, naturellement, c'est la situation internationale. Et vous savez, il y a eu le déclenchement d'un conflit en Ukraine. Et depuis plus d'une dizaine de jours, on regarde avec horreur le scénario de dévastation qui se déroule sous nos yeux dans un pays de l'Est de l'Europe. J'aimerais qu'on prenne un moment ce soir pour témoigner, non seulement à mon nom, mais au nom de tous les élus de Rosemont, tous les élus de Rosemont, la petite patrie, toute notre solidarité et nos vœux de paix avec le peuple ukrainien. Le lien qui unit notre arrondissement avec la communauté ukrainienne est fort, riche et indéfectible. Vous savez, on a une très importante communauté ukrainienne dans Rosemont, la petite patrie, qui est durement touchée, qui se sent terriblement concernée par ce conflit-là. Et depuis le début du conflit, de nombreux bénévoles sont à l'œuvre pour organiser de l'aide humanitaire qui sera utile autant là-bas qu'ici pour appuyer les familles et les réfugiés. Alors, je tiens à saluer leur travail essentiel et d'ailleurs, demain, nous irons à leur rencontre lors de deux activités pour aller saluer les bénévoles qui travaillent d'arrache-pied. Dans cette veine, je nous invite les personnes, les Rosepatriennes et Rosepatriens, à contribuer généreusement au fonds d'aide d'urgence mis sur pied par la Croix-Rouge. Je donnerai personnellement une contribution à la Croix-Rouge canadienne pour le conflit en Ukraine et je vous invite à faire de même dans les prochains jours. Dans un autre ordre d'idée, demain, c'est la journée internationale, c'est le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. Et c'est une journée importante qui nous rappelle encore le chemin que nous devons parcourir comme société afin d'atteindre réellement l'égalité. Et sur cette question, j'ai d'autres choses à dire, mais sur cette question, je vais laisser mes collègues vous en parler beaucoup plus longuement de leur sensibilité face au 8 mars. Deux petites choses que j'aimerais mentionner avant de finir. Il y a deux choses qu'on vote ce soir qui nous rendent très, très fiers. La première, c'est nous votons ce soir la création du poste de commissaire au développement économique. C'était un engagement de la campagne électorale. C'est un engagement que nous avons pris l'automne dernier, que nous avons beaucoup discuté en porte-à-porte avec des commerçants, avec des entrepreneurs. C'est un engagement qui nous tient à cœur. Et je suis particulièrement fier de dire que 100 jours à peu près, là, on est dans les 100 jours, on vote l'accomplissement, la concrétisation d'un premier engagement électoral. Vous savez, il y a un adage en politique qu'on attribue à Jacques Parizeau. Il faudrait vérifier si c'est apocryphe ou si c'est réel. Je n'ai pas les sources ce soir, mais que Jacques Parizeau aurait dit quelque chose de très simple en politique. Deux choses. Tu fais ce que tu dis, puis tu dis ce que tu fais. Alors, je suis content de dire qu'on fait ce qu'on avait dit qu'on ferait et qu'on peut cocher un premier engagement. C'est une personne, le commissaire au développement économique, ça va être une personne ressource qui va être d'une utilité incontestable pour les commerçants et les entrepreneurs qui, des fois, cherchent la porte d'entrée dans l'arrondissement et dans l'écosystème de la ville. Cette personne-là va être un employé dédié à les aider, à les soutenir dans leur mission, à les accompagner dans leur démarche auprès de la municipalité. Et on est convaincu que ça va être vraiment utile pour les commerçantes, les commerçants et les gens qui veulent démarrer des entreprises dans Rosemont, notre petite patrie. Alors, on salue cet engagement-là qui nous rend extrêmement fiers. La dernière chose, et c'est le dernier point vraiment, après ça, je passe la parole à mes collègues, on vote un autre point qui est très cher à mon cœur. Après 11 ans de démarche,
le Centre social et communautaire de la Petite Patrie peut enfin acquérir l'immeuble qui va lui permettre d'exister de la CSSDM, et c'est le 6839 Drolet. Dès les premiers jours de cette mobilisation-là, des gens du communautaire, l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie s'était engagé à verser 150 000 $ pour l'achat d'immeuble. Ce 150 000 $ il n'est pas anodin, c'est celui qui a servi d'effet levier pour aller chercher d'autres fonds. Ensuite, la Ville-Centre a mis des fonds, il y a le Mouvement des Jardins a mis des fonds, il y a eu d'autres contributions, mais s'il n'y avait pas eu le premier 150 000 $ de l'arrondissement qui a permis cet effet levier-là, qui a permis de convaincre d'autres acteurs d'embarquer dans l'aventure, ça aurait été plus difficile. Alors, je suis très heureux qu'on verse cet argent-là, de dire félicitations aux gens qui ont tenu bon dans cette très, très longue saga pour l'achat du bâtiment, à tous les groupes communautaires et sociaux qui meublent cet édifice-là et qui vont faire que la Petite Patrie aura enfin un centre social et communautaire digne de ce nom. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et je laisse la parole à mes collègues. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Josefina Blanco, la conseillère des villes dans le district de Saint-Édouard. Comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, je tenais aussi à m'adresser ce soir à vous pour avoir un mot concernant la Journée internationale des droits des femmes qui se tient demain, le 8 mars, en tant que membre responsable au comité exécutif de la Ville de Montréal de la condition féminine. Je voulais souligner légèrement parcouru les réussites menées par d'autres femmes, mais force est de constater que nous avons encore des importants défis devant nous. Et notre administration a la détermination de continuer d'avancer de façon concrète. D'ailleurs, quand je réfléchissais à mon mot de ce soir, je me suis dit, on est devant une administration féministe et féminine. On parle de l'administration Plante-Olivier. Et c'est ma collègue, Madame Olivier, qui préside le comité exécutif de la Ville de Montréal. C'est aussi une autre femme qui préside le conseil municipal, ma collègue, Madame Moussaou Mouélé, Martine Moussaou Mouélé. Et nous sommes devant aussi un comité exécutif paritaire. Et ce n'est pas anodin. Et je pense que des fois, aujourd'hui, on a tendance à donner ça comme pour acquis. Mais sûrement, si on se réfère à 10 ans en arrière, 15 ans, ce n'était pas le cas. Et je pense que c'est important de souligner qu'aujourd'hui, nous avons des femmes au sein de l'administration municipale de la Ville de Montréal dans des postes clés, dans des postes de décision, des pouvoirs qui donnent des orientations très, très intéressantes auxquelles, bien évidemment, l'ensemble de nos collègues hommes, femmes sont sensibles puis vont dans la même direction. Notre administration continue aussi d'appuyer des initiatives communautaires en termes de prévention des violences sexuelles. Et oui, malheureusement, c'est aujourd'hui encore nécessaire. C'est d'ailleurs tout récemment que j'ai participé au lancement de la cellule d'action concertant violences conjugales de Montréal. Il s'agit d'une initiative menée par la Table en violences conjugales de Montréal qui a été soutenue du tout début du projet par la Ville de Montréal et d'autres partenaires pour répondre à une demande importante du milieu, à une demande importante à nos yeux, et qui va pouvoir être aussi soutenue et pérennisée par le gouvernement du Québec. Nous faisons aussi la promotion des rapports égalitaires en accentuant le déploiement de l'ADS+. Pour ceux ou celles qui sont moins familiarisés, on parle de l'analyse différenciée selon les sexes intersectionnels. Donc, quand on parle de ces déploiements, on parle au sein de l'appareil municipal pour créer une ville égalitaire et inclusive. Il s'agit des outils pour assurer que toutes les initiatives de la ville, en termes d'infrastructures, des projets, des services, soient élaborées, qu'ils soient pensées et évaluées d'une perspective qui prend en compte les besoins de tous et de toutes. Nous poursuivons aussi nos initiatives en matière de conciliation travail-famille et en termes de soutien aux groupes communautaires dédiés aux femmes afin de favoriser la participation pleine et entière de toutes les femmes dans l'ensemble de la sphère de la vie montréalaise. Enfin, nous redoublons bien évidemment nos efforts de concert avec notre partenaire pour assurer une relance verte, juste, solidaire
inclusif qui favorise l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'aimerais laisser aussi peut-être compléter à cet égard ma collègue, Madame Erika Alners, pour nous parler de quelques initiatives plus locales, mais qui méritent tout de même d'être soulignées. Je pense aussi que par la suite, mon collègue Jocelyn Possé va compléter. Mais sur ce, je vais nous souhaiter un bon conseil à tous et à toutes. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes. J'en profite pour saluer Monsieur le maire ainsi que mes collègues. Très heureuse de pouvoir vous parler. Effectivement, comme Mme Blanco le disait, je parlerai dans le cadre de la journée du droit des femmes de culture. Pourtant, donc, je m'adresserai un peu teintée de mes responsabilités au comité exécutif comme responsable de la culture et du patrimoine pour vous inviter à renouer avec notre belle maison de la culture ici à Rosemont-de-la-Petite-Patrie, qui, pour le mois de mars, a teinté sa programmation d'initiatives qui soulignent les femmes en culture. Je peux penser premièrement aux soirées réalisatrices équitables où les citoyens et citoyennes de Rosemont-la-Petite-Patrie peuvent aller visionner des courts-métrages et avoir une discussion avec les réalisatrices qui seront sur place. J'en profite aussi pour aussi vous inviter, il y a le spectacle de Mme Jelly Taba, qui a été aussi Révélation Radio-Canada, qui se produira à la Maison de la culture le 31 mars prochain. Donc, je tiens à profiter aussi de l'occasion pour inviter les citoyennes et citoyennes de Rosemont-la-Petite-Patrie à renouer, non pas seulement avec sa Maison de la culture, qui est magnifique, mais aussi avec tous les lieux de diffusion culturelle de notre arrondissement, qui ont fait preuve d'une résilience et d'une agilité dans un moment si particulier. Et je veux aussi vous inviter à soutenir nos artisans, les gens qui, dans l'arrondissement, sont dans des ateliers d'artistes, qui produisent des choses si importantes et qui nourrissent l'ADN de notre arrondissement, mais aussi de la ville de Montréal. Alors, n'hésitez pas, on déconfine tranquillement pas vite, donc profitez-en aussi pour renouer avec la culture si chère à nous ici, à l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci beaucoup et bon conseil. Merci beaucoup à ma collègue Erika. Alors, je vais poursuivre. Donc, comme je fais toujours, bonsoir à vous toutes et tous. C'est évidemment mes salutations plus particulières, vous me permettrez, aux citoyennes et aux citoyens du district de Marie-Victorin. Alors, à mon tour, en cette semaine là, de la journée internationale des droits des femmes, de souligner cette importante journée. Qui se déroule chaque année, on le sait, le 8 mars, donc ce sera demain. Alors, la Journée internationale des droits des femmes, c'est l'affaire de toute la collectivité, et non seulement des femmes. Qu'importe que nous soyons genrés ou non, qu'importe notre origine culturelle, qui nous sommes, je nous invite à garder à l'esprit que nous sommes toutes et tous, d'abord et avant tout, des êtres humains, toutes et tous égaux, et qu'à ce titre, nous avons toutes et tous une responsabilité de solidarité collective pour faire en sorte que nous œuvrions au sein d'une société où les droits de tout le monde sont égaux. Bien que beaucoup reste encore à faire, je tiens sincèrement à saluer le travail immense qui a été fait au fil des dernières décennies par toutes ces femmes courageuses, tant au niveau international qu'au niveau national que montréalais. Dans le district de Marie-Victorin, que j'ai l'honneur de représenter fièrement, plusieurs grandes femmes sont à l'origine de nombreuses institutions qu'on fréquente au quotidien ou de rues sur lesquelles on marche au quotidien également. Sur le plan de la santé, pensons notamment à l'hôpital Santa Cabrini, à l'intersection des rues Saint-Zotique et Châtelain. Sur le plan de l'éducation, je pense aussi à l'école secondaire Marguerite de la Jemeraie, à l'intersection Sherbrooke et l'Assomption, à l'école primaire Marie-Rollet, qui est sur la 30e avenue, près de Beaubien, et aussi à la rue Marie-Rose du Rocher, dans l'extrême-est de Rosemont, près de la Corbière, et qui porte le nom d'une éducatrice du même nom qui a vécu de 1811 à 1849. Enfin, quand on me demande de nommer des femmes pour qui j'ai de l'admiration, je trouve ça vraiment important de rendre hommage à des femmes qui ont contribué à marquer ou qui marquent encore et toujours le quotidien de Rosemont-la-Petite-Patrie de par leur engagement incroyable. Et notamment, évidemment, dans l'est de Rosemont. Parmi ces femmes, je désire plus particulièrement rendre hommage à ces huit citoyennes inspirantes. Madame Marie-Ève Veilleux, qui
qui se bat avec cœur depuis tellement d'années au quotidien avec une conviction inspirante sur le plan de l'accessibilité universelle. Madame Jeannette Lapointe, une citoyenne aînée qui a contribué activement à cofonder l'Association d'aide et de loisirs pour personnes à autonomie réduite, un organisme qui a fêté ses 20 ans et qui est encore immensément actif aujourd'hui. Mesdames Pauline Sourmel, Nicole Laliberté, Louise Boutillier, trois citoyennes qui ne ménagent aucun effort pour aider à la qualité de vie des aînés en s'impliquant avec grand cœur depuis de nombreuses années au sein de la table de vivre et vieillir à Rosemont. Madame Jocelyne Brunet, une citoyenne de l'Est de Rosemont qui, depuis de nombreuses années, est engagée dans la lutte à la reconnaissance des droits des femmes au sein du Centre des femmes de Rosemont. Rim Boualeg, une autre citoyenne de l'Est de Rosemont, qui depuis longtemps, elle de son côté, ménage aucun effort pour soutenir l'inclusion sociale des femmes immigrantes dans le quartier Rosemont. Enfin, vous me permettrez de souligner la contribution importante auprès des aînés de Rosemont et du Carrefour communautaire Mont-Rose de Mme Rachel Giroux, qui nous a tristement quittés hier, dimanche le 6 mars. Mme Giroux, qui a présidé cet organisme avec beaucoup d'humanisme et de compassion, a été une figure marquante du milieu communautaire de Rosemont. Œuvrer au quotidien auprès des citoyennes et des citoyens aînés afin de les aider à passer au travers la pandémie est un gigantesque défi et Mme Giroux a répondu présent à tous les jours et a surmonté ce défi-là avec brio. Au nom de mes collègues et en mon nom personnel, j'offre toutes mes sympathies à la famille et aux proches de Mme Giroux, ainsi qu'à la belle communauté du Carrefour communautaire Mont-Rose, et je la remercie sincèrement pour son précieux engagement. Alors, mesdames que j'ai nommées, les 8 dames que j'ai nommées, vous êtes des exemples de courage, de détermination, de ténacité pour nous toutes et tous, et ce bref hommage était bien la moindre des choses que je puisse faire pour vous témoigner toute mon admiration. Merci beaucoup. Eh bien, je pense que c'est donc à moi de fermer cette petite partie sur des mots des conseillers. Alors, je suis Dominique Olivier, je suis conseillère dans le district du Vieux-Rosemont. Et à l'instar de mes collègues, je pense que le 8 mars nous donne l'occasion de nous rappeler de dates importantes. Et notamment, j'aimerais souligner que cette année, on va fêter le 25e anniversaire de la loi sur l'équité salariale, qui a été un moment très important, qui a suivi la marche du pain et des roses pour faire en sorte qu'on reconnaisse le droit de toutes les femmes à travail égal, d'avoir un salaire égal. Et c'est un moment important dans l'histoire, je dirais, de toute la société québécoise. Mais je suis particulièrement fière de souligner que la ministre qui, à l'époque, avait déposé ce projet de loi est aussi aujourd'hui une figure importante pour nous dans Rosemont et j'ai nommé Mme Louise Arène. C'est particulièrement un plaisir pour moi de lui rendre hommage ce soir pour ce qu'elle a fait parce qu'en plus, Mme Arène a accepté de présider notre comité sur la langue française qui a été lancée la semaine dernière et qui va dès le 20 mars prochain, Journée internationale de la francophonie, nous présenter son plan de travail ainsi que des prix qu'on veut mettre en place, que notre administration veut mettre en place pour souligner l'apport exceptionnel au français, au rayonnement du français, à la valorisation du français. Je veux donc remercier Mme Arel d'avoir accepté de présider ce comité. Montréal est la plus grande métropole francophone en Amérique. C'est également une des plus grandes du monde et c'est particulièrement important pour nous de pouvoir continuer à participer au rayonnement de cette belle langue-là. Dans Rosemont, la petite patrie, on n'a pas à avoir honte du tout puisque les chiffres nous montrent que 97 % de nos concitoyennes et concitoyens parlent déjà le français et qu'on contribue de façon constante à travers toutes nos institutions et également, comme l'a souligné ma collègue Mme Alnéus, à travers nos bibliothèques notamment, qui viennent de terminer hier leur rendez-vous de la francophonie.
Donc, on contribue au rayonnement de cette belle langue et à cette valorisation-là. Je pense que plusieurs personnes doivent nous envier notre positionnement sur cette question-là. Mais je trouve ça intéressant de parler aussi dans ce cadre-là de ce qu'on vient de faire dans nos bibliothèques avec les rendez-vous de la francophonie, notamment pour tisser des liens, c'est ce qui avait été inscrit cette année comme thème, entre les générations, entre les cultures et la société. Et ça m'amène à vous parler d'une autre grande date qui interpelle certaines de mes responsabilités au comité exécutif. C'est le 21 mars, qui est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Je pense que le mois de mars devient un moment important sur une question générale des droits civiques pour se souvenir encore que les femmes racisées, les femmes des minorités visibles, les femmes immigrantes ont aussi encore beaucoup de difficultés à tailler leur place dans notre société. C'est sûr qu'on fait de très, très grands progrès et je pense que le conseil d'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie montre à quel point on fait du chemin et encore une fois à quel point on est progressiste, mais en même temps, ça nous permet de nous dire que ce n'est pas parce que quelques-unes d'entre nous réussissent que l'ensemble des personnes d'origine immigrante ont déjà accès à une égalité de fait. Alors, j'aimerais inviter tous mes concitoyens et toutes mes concitoyennes de Rosemont-la-Petite-Patrie à vraiment réfléchir aux inégalités qui persistent parfois dans certains milieux. Peut-être à l'instar de ce qui fait à l'ONU, de se poser la question, chacun dans notre milieu de vie, quand on est invité à participer à toutes sortes d'activités, de prendre quelques moments pour regarder qui n'est pas autour de la table et d'élever notre voix en solidarité avec toutes ces personnes qui sont absentes pour s'assurer que désormais, tout le monde peut être à égalité pour décider. Je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter et nous souhaiter à tous un très bon conseil. Merci. Cela met fin, monsieur le secrétaire d'arrondissement au nom des conseillers. Je nous invite à passer à la période de questions du public. Merci. Donc, 10.04, période de questions du public. Nous avons reçu 20 questions ce soir. La première nous vient de Mme Marie-Lou Deschamps. Elle se lit comme suit. Serait-il possible de trouver une solution pour le passage dans le sens inverse du sens unique dans la ruelle entre les rues Saint-Hubert et de Châteaubriand à la hauteur de la rue Bélanger et Jean Talon? La sécurité des piétons est en jeu. Comme il n'y a pas de panneau stop, puisque le sens unique n'est pas respecté, les automobilistes ne ralentissent pas pour les piétons et les piétons ne s'attendent pas à ce qu'une voiture arrive à toute allure. Une surveillance accrue ou bloquer la ruelle pourrait être une solution. Bonsoir, Mme Deschamps. Merci pour votre question. On vous remercie naturellement d'avoir signalé les enjeux de cette ruelle pour laquelle on va se déplacer. Là, on aimerait voir de vivre en personne la situation. En attendant, nos équipes en ont pris note et vont demander une surveillance accrue du SPVM. Et comme je vous disais, on va aller sur place pour s'assurer que la signalisation soit visible, évaluer s'il y a d'autres solutions possibles pour apaiser votre ruelle. Alors, on va se déplacer prochainement pour aller voir. Deuxième question de Yvon Clouette. Concernant la construction de l'école transitoire dans la cour de l'école existante Marguerite de la Jameraie au 55-55 rue Sherbrooke-Est, coin l'Assomption, il semblerait que l'emplacement de la construction sera directement au nord de l'école et nécessitera l'abattage de nombreux arbres matures. Aussi, l'immeuble à condominium Le Méritas 8, situé au nord de l'école et là depuis plus de 32 ans, sera grandement touché par une grande partie des copropriétaires pour une grande partie des copropriétaires, et ce, jusqu'au cinquième étage. Tout cela sans jamais avoir été approché par la CSDM pour quelque discussion que ce soit concernant cette modification importante et l'impact que cela aura sur notre immeuble. Est-ce que le Conseil d'urbanisme urbain du quartier ou de la ville a été consulté à cet effet, et si oui, qu'en est-il? Cela affectera énormément la valeur des appartements touchés, en plus de la perte de jouissance d'un environnement merveilleux, plutôt qu'un mur d'école à 28 mètres de leur terrasse. Il y a beaucoup de grogne présentement concernant ce projet
et l'approche utilisée sans aucune consultation avec les voisins immédiats. Je crois que le conseil d'urbanisme de l'arrondissement doit s'impliquer dans ce dossier et nous informer des démarches entreprises, de même que Mme Olivier, conseillère du district de Rosemont-la-Petite-Patrie. Une visite s'imposerait certainement afin de constater sur place les changements proposés par la CSDM. Merci de bien considérer cette requête, car plusieurs copropriétaires seraient affectés sans jamais avoir pu défendre leurs droits. Bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Clouette, pour votre question, alors ainsi que l'équipe du CA de l'immeuble que vous présentez. Alors, je vais me permettre là, de vous répondre avec quelques éléments. D'entrée de jeu, je pense que c'est important de bien préciser que le projet, on le sait, là, est d'une hauteur de 3 étages, est vraiment réalisé de plein droit. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune demande de changement de zonage là, qui est requise dans le cadre de ce projet-là. Aussi, en réponse à votre questionnement en lien avec le CCU, donc le Comité consultatif d'urbanisme de Rosemont-la-Petite-Patrie, bien, lors d'une première présentation du projet qui leur a été faite, les membres du CCU ont demandé l'aménagement d'un toit vert, justement pour minimiser l'impact du projet sur le voisinage, puis aussi en même temps, bien, pour contribuer à la biodiversité de ce secteur-là. Je précise également que les membres du CCU et nous, les 5 élus du conseil d'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, souhaitons que le projet soit exemplaire sur l'aspect que je viens d'expliquer, surtout que le secteur est riche en espaces verts et naturels, notamment avec la présence du boisé des pères. Alors enfin, on va communiquer vos commentaires, M. Clouette, et vos réticences au projet, au chargé de projet du CSSDM. Et on va vraiment suggérer au CSSDM de bien vouloir vous contacter pour pouvoir répondre aussi à vos préoccupations, puisque c'est un projet du CSSDM. Alors, voilà, en espérant que ces éléments de réponse vous auront aidé, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci. Troisième question de Alex Tremblay-Martel. Bonjour, nous sommes une jeune famille à la recherche d'une maison unifamiliale dans Rosemont. J'habite le quartier depuis plus de 30 ans, mes racines y sont bien ancrées. La réalité du télétravail et l'arrivée de notre premier enfant nous force à chercher un milieu de vie plus grand. Mais Rosemont étant historiquement un quartier ouvrier, les maisons unifamiliales se font rares. Ajoutez à cela la pénurie de propriétés en vente et le prix exorbitant de celles sur le marché, et vous obtiendrez une situation où les jeunes familles comme la nôtre ont peine à trouver. Malheureusement, force est de constater que plusieurs migrent vers la banlieue, ce que nous ne sommes pas prêts à faire. Nous avons une opportunité en or qui s'offre à nous. Un ami nous vendrait son triplex converti en duplex en 1992. Lorsqu'il nous l'a offert, il nous mentionnait avoir fait des plans pour la conversion en unifamiliale. Nous étions aux anges face à l'idée. Malheureusement, le bureau des permis a rapidement mis fin à nos projets, étant donné la nouvelle réglementation en vigueur interdisant la conversion de triplex en unifamilial. Considérant que la propriété est un duplex depuis 30 ans et que le logement est vacant depuis plus d'un an, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous et y a-t-il une ouverture de l'arrondissement à modifier le règlement dans le but de retenir les familles? Merci d'avance. Merci infiniment pour votre question. Votre situation est très particulière, effectivement. Vous dites que ça a été converti en duplex il y a très, très longtemps. Malheureusement, pour nous, on a fait un règlement qui était pour agir envers la pénurie de logements et la diminution du parc locatif de l'arrondissement. Vous le savez, la pression immobilière est énorme dans Rosemont-la-Petite-Patrie depuis des années. Il y a énormément un phénomène pour lequel on se désole énormément, mais vous savez qu'il y a un phénomène de rénovation, il y a un phénomène de gens qui achètent des immeubles, qui les transforment, qui évincent les locataires et qui font de la revente rapide. On essaye par tous les moyens de freiner ce phénomène-là qui force les locataires, eux, à s'exiler en dehors des quartiers centraux parce qu'ils ne peuvent plus habiter les quartiers où ils ont grandi, où ils ont travaillé, où ils vivent. Alors, les règlements, malheureusement, sont un peu aveugles. Quand on les fait, ils s'appliquent à tout le monde, peu importe la situation.
mais il y avait vraiment des cas où des triplex étaient transformés en duplex pour être ensuite transformés en une familiale rénovée à grands frais et revendue sur un marché spéculatif où il y a toujours des acheteurs qui achètent ce genre de maisons-là. Pour freiner ça, on a interdit la conversion de triplex en maison unifamiliale. Alors, ça s'applique également au duplex qui était originalement un triplex. Ça vise à éviter les situations où, comme je l'ai dit, un propriétaire fusionnerait des logements pour produire un duplex qui serait ensuite converti et faire un mouvement spéculatif parce que les spéculateurs, ce que vous n'êtes pas, mais il y en a, s'infiltrent par toutes les possibilités. À chaque fois qu'on met un peu que les règlements ne sont pas très sévères, ils se faufilent à l'intérieur de ça. Alors, c'est la règle pour l'instant. On pourra se parler autrement qu'à travers le conseil d'arrondissement, mais malheureusement, vous êtes dans une situation où il n'y a pas vraiment de solution pour vous, puisqu'on veut protéger le parc locatif de Rosemont-la-Petite-Patrie. Question suivante de Martin Forgette. Est-ce que le projet de sens unique et de piste cyclable de la rue d'Endurant aura toujours lieu? Si oui, quand? Bien hâte d'en profiter avec mes enfants. Bien, Monsieur Forgette, merci beaucoup pour votre question. Vous le savez, nous nous sommes engagés à bien travailler tout le réseau cyclable dans notre arrondissement. Mais vous le savez, pour pouvoir le déployer, bien, il y a plusieurs intervenants qui ont à prendre des décisions et à nous permettre de programmer ce déploiement-là. Et en campagne électorale, nous avions également promis de consolider le réseau qui était en place avant de créer de nouvelles pistes, forcément. Donc, il n'est pas prévu, malheureusement, cet été d'aménager une voie cyclable sur la rue d'Endurant, d'autant plus qu'on a entamé une grande réflexion avec le milieu sur l'ensemble du secteur qui est aux abords de la rue Masson et qu'on voudrait attendre le résultat de cette démarche avant d'intervenir sur la rue d'Endurant. Donc, je vous remercie de votre question, mais malheureusement, il n'est pas prévu cet été d'aménager une telle piste. On poursuit avec une question de Mme Émilie Bonnier. Bonjour, lors des dernières élections, votre plateforme électorale promettait ceci. Alléger le processus de consultation et transformer le programme de fermeture partielle des ruelles à la circulation de transit qui permet la fermeture de deux des quatre entrées sans empêcher les résidents-résidentes d'accéder à leur stationnement. J'aimerais savoir si vous y travaillez en ce moment et est-ce qu'il serait possible d'espérer que la réforme soit faite pour cet été? Si je peux même suggérer une solution, permettre l'installation de bollards, blocs de béton ou autres mesures de sécurité temporaire et ce sont les riverains contre qui doivent obtenir une majorité pour autoriser le retrait de la mesure de sécurité. Merci, Mme Bonnet, pour votre question. C'est une très bonne question. Effectivement, oui, c'est une autre promesse électorale qu'on s'engage à tenir et pour laquelle le travail est déjà commencé. L'administration a déjà été mandatée de travailler sur un processus pour faciliter la fermeture partielle des ruelles. Ceci dit, votre question pose la question comme si ce n'était pas possible en ce moment. Effectivement, on veut changer la méthode, mais c'est toujours possible de demander une fermeture partielle de ruelles avec la méthode actuelle. Il y a un programme qui existe, vous pouvez passer par ce programme-là. On travaille à le réformer pour le rendre plus facile. Malheureusement, c'est un travail qui demande quand même de la concertation, du travail avec les fonctionnaires qui demande de quelques allers-retours et qui va devoir être adopté par le conseil d'arrondissement. Soyons honnêtes, là, l'été 2022 ne semble pas à notre portée, mais on y travaille activement en ce moment même et on va pouvoir vous parler rapidement des résultats qui s'en viennent pour ce programme. La prochaine intervention est un commentaire de M. John Poliquin. Dangerosité pour les usagers d'attendre le bus aux arrêts situés sur la Plaza Saint-Hubert. Entretien nul. Oui, merci beaucoup, M. Poliquin, pour votre commentaire, pour votre courriel que nous avons déjà transmis aux équipes des travaux publics. Mais
Permettez-moi d'avoir un mot par rapport à la météo des dernières semaines qui n'a pas été du tout reposant et ce qui vient compliquer des fois les travaux sur le terrain et l'entretien, puis même l'effet qu'on espère que ces opérations puissent avoir sur notre territoire. Donc, on a eu des épisodes de grandes précipitations qui ont été rapprochées avec des températures particulièrement froides, ce qui fait que l'épandage des abrasifs soit moins efficace, malheureusement. Donc, les dernières journées nous ont permis de profiter des températures plus clémentes, donc pour que nous puissions sécuriser notre trottoir pardon, et les alentours. Donc, voilà ce qui peut expliquer votre commentaire. On prend acte, on prend compte, puis soyez assurés que les équipes des travaux publics sont au rendez-vous pour rendre sécuritaire l'ensemble des trajets pour les piétons, cyclistes, véhicules dans notre territoire. Merci beaucoup. Question suivante de Mélissa Hébert. Le processus de consultation pour bloquer une entrée de ruelle étant lourd et complexe, il nous a empêchés l'an dernier d'y aller de l'avant. Est-ce envisageable d'alléger le processus d'ici le printemps? Merci pour tout. Merci, Mme Hébert, pour votre question. Alors, est-ce possible d'alléger le processus? Oui. Pour ce printemps, non. Mais on travaille en ce moment même, puis on a très hâte de vous donner les résultats quand on les aura. Question suivante de Louis Boutet. Bonjour. Le jeudi 3 mars, je suis allé faire du ski de fond au parc Maisonneuve. En pleine semaine de relâche et avec des conditions de neige exceptionnelles, l'entretien des pistes était tout à fait déplorable. Comment est-ce possible? Merci de votre attention. Oui, on vous remercie beaucoup, M. Boutet, pour votre question et de nous l'adresser ce soir au conseil d'arrondissement. Alors, après vérification auprès des services administratifs de Rosemont-la-Petite-Patrie, nos équipes nous ont indiqué qu'exceptionnellement, les pistes ont été tracées en après-midi, jeudi dernier, alors qu'habituellement, c'est plutôt fait le matin, dès le départ, ce qui explique la situation que vous avez malencontreusement vécue cette journée-là, parce qu'on nous indique aussi que la situation est vite revenue évidemment à la normale dans la même journée, puisque ça a été fait là, en deuxième partie de journée. Alors, voilà, donc en espérant que ça vous éclaire pour votre préoccupation. Merci beaucoup. Prochaine question de Claude-Marise Leboeuf. Bonjour, ma question s'adresse à M. François Limoges. Si je suis absolument en faveur de l'approche zéro déchet dont notre arrondissement fait la promotion, je ne pense pas que c'est le citoyen qui réglera fondamentalement nos problèmes de gestion des déchets. Il revient à chaque municipalité, arrondissement, de développer chez ses citoyens la culture du tri à la source sans attendre que le gouvernement du Québec bouge. La seule issue réaliste pour responsabiliser les citoyens sur la gestion de nos déchets est de les impliquer. Les matières dans les sacs et les bacs posés devant nos portes ne disparaissent pas par magie. Ils s'empilent loin de nos yeux dans des sites d'enfouissement qui ne cessent de grossir ou bien ils polluent les pays émergents à cause de notre négligence. Que diriez-vous en tant qu'administration municipale d'y aller avec des moyens plus importants? J'aurais des suggestions suivantes. 1. Éliminer la collecte pêle-mêle. 2. Étendre la collecte du plastique numéro 6, polystyrène et autres dans toute la ville de Montréal, déjà en place à Ville-Saint-Laurent et La Salle. 3. Continuer l'implantation de lieux de dépôt pour le verre pour tous les contenants. Près de 150 municipalités le font, malgré la venue prochaine de la consigne élargie. Comment peut-on en installer chez nous? 4. Éduquer et informer systématiquement les citoyens quant à nos responsabilités dans la gestion des déchets et des matières. 5. Rapatrier nos sites d'enfouissement à Montréal plutôt que surcharger les sites des autres municipalités avec nos déchets. 6. Accélérer la collecte des matières organiques pour tous les bâtiments. 7. Attribuer la gestion des centres de tri à des organismes sans but lucratif plutôt qu'à l'entreprise privée. 8. Augmenter le soutien aux projets locaux d'économie circulaire en lien avec les centres de tri. 9. Identifier les choix
que peut faire notre arrondissement sans pelleter de problèmes dans la cour de la ville-centre ou ailleurs. Merci d'accorder votre attention à ma demande. Bonjour, Mme Leboeuf. Merci pour votre question. Vous avez raison, Mme Leboeuf, autant dans vos constats que dans vos solutions. Votre longue question, mais qui est pleine de suggestions, est tout à fait pertinente. Et on vous remercie pour vos suggestions. Ceci dit, quand vous dites « sans pelleter les problèmes dans la cour de la ville-centre », il ne s'agit pas de les pelleter, il s'agit que ce sont des juridictions de la ville-centre. Alors, si l'arrondissement ne peut pas agir seul, dans beaucoup des suggestions que vous faites, là, il faut que ce soit une coordination complète avec la ville-centre, les arrondissements, puis certaines de vos suggestions demandent même la participation de Québec. Entre autres, on sait que Québec s'en vient avec un projet de consigne du verre qu'on attend avec impatience. Vous pouvez être sûr que Rosemont-la-Petite-Patrie va lever la main très, très haut pour avoir des centres de consigne de recyclage du verre. Alors, on veut être proactif là-dedans. Dans les suggestions que vous donnez, c'est des réflexions qui sont très avancées chez nous, autant avec nos collègues en arrondissement qu'avec nos collègues à la ville-centre. Mais effectivement, ce n'est pas pelleté dans leur cours, c'est des réformes qui demandent l'intervention de la Ville de Montréal. Et ma collègue Marie-Andrée Mauger, responsable de l'environnement, comité exécutif, travaille sur une grande partie des éléments que vous mentionnez. Alors, on va lui faire cheminer votre question et vos suggestions ce soir pour que ça continue d'alimenter. Et je ne serais pas surpris, moi, que vous voyez dans les prochains mois et les prochaines années des plans environnementaux de la Ville qui ressemblent fortement à ce que vous suggérez. Intervention suivante de M. Pierre-Luc Girard-Loriot. La rue Beaubien entre les rues Châteaubriand et Boyer est en quasi-permanence le lieu de nombreuses infractions routières qui percolent sur les rues et ruelles perpendiculaires. Les excès de vitesse, le stationnement illégal et l'utilisation illégale des ruelles pour circuler et changer de direction par les clients des commerces, incluant les policiers et les livreurs de nourriture, constituent un danger pour les piétons et en particulier les piétons vulnérables qui circulent sur les étroits trottoirs. Cela fait plusieurs années que je fais des plaintes et demande au poste 35 à ce sujet. Je ne constate qu'une détérioration de la situation. J'ai tenté de contacter le commandant du poste, mais je n'ai reçu que des réponses génériques. Depuis plus de 6 mois, les agents de la circulation ne retournent plus mes appels. On me dit être au courant de la situation. Je n'ai jamais eu connaissance qu'une opération d'importance a été effectuée à cet endroit pour tenter d'améliorer la situation. J'ai l'impression qu'on a abandonné les citoyens du secteur au bullying motorisé. Est-ce normal qu'un poste de quartier qui échoue de manière permanente à faire respecter le code de la sécurité routière à un endroit refuse d'interagir avec un citoyen qui pose des questions de bonne foi? Bonjour, M. Gérard Loriot. C'est toujours un plaisir de lire votre question au conseil d'arrondissement. Vous êtes un de nos habitués, puis je connais votre sensibilité pour le quartier où vous vivez et particulièrement pour le coin qui se situe sur Beaubien, entre Christophe Colomb et Châteaubriand, et particulièrement les zones de la rue Saint-Hubert, de croisement de la rue Saint-André. Et vous avez raison dans tous vos constats. Pour ce qui est, par contre, de la réceptivité ou non du poste de quartier 35. Malheureusement, nous ne sommes pas la bonne instance pour en juger. Je peux transmettre néanmoins vos commentaires et suggestions à notre collègue de la sécurité publique, M. Alain Vaillancourt, au comité exécutif de la Ville de Montréal. Mais comprenez que concernant le poste 35, l'arrondissement n'a pas une position d'employeur face au commandant du poste et on a des relations cordiales. On pourra naturellement parler de ce que vous observez. Mais on ne peut pas répondre à leur place de la façon dont ils transigent avec les citoyens. Intervention suivante de Mme Josiane Archambault. Ma question principale est, que comptez-vous faire pour la vitesse sur la 16e avenue? 2 bacs à fleurs gigantesques, rue Laurier et 2e avenue, sont-ils là pour rester? Qui mènent à 3, installation d'un feu clignotant, coin Masson ou d'Endurant. 4. Toujours la 16e entre Rosemont et Masson. Quand compte-t-on la refaire?
Merci beaucoup, Mme Archambault, pour votre question. Je comprends que l'état de la 16e avenue vous préoccupe particulièrement. Alors, laissez-moi d'entrée de jeu quand même vous dire que la 16e, c'est une artère administrative qui est sous la responsabilité de la Ville de Montréal. Donc, toutes les actions qu'on va faire vont devoir être faites en concertation avec les services centraux. Néanmoins, je peux vous dire qu'il y a déjà une lecture de vitesse qui est planifiée en priorité et que la 16e va faire l'objet d'une surveillance assidue dans les prochains jours de la part du SPVM. Et ensuite, il faudra regarder le temps d'analyser les résultats et de planifier les actions qu'on va pouvoir faire par la suite à cet égard-là. Ça m'amène aussi à répondre tout de suite à votre question 4 sur la réfection de la rue, simplement pour vous dire qu'on a eu une excellente nouvelle et que nos équipes nous ont informé que la Ville de Montréal planifie une réfection de la 16e avenue dès l'année prochaine. Donc, on va pouvoir donc vous accommoder là-dessus. Pour la question des bacs à fleurs, je veux simplement vous rappeler que suite à l'implantation des îlots de déviation sur la rue Laurier, on avait entrepris aussi une réflexion et commandé une étude de circulation pour tout le secteur et que le résultat de cette démarche qui est attendue sous peu va nous aider à identifier les actions qu'on pourra prendre qui pourraient notamment inclure des feux clignotants comme vous le suggérez. Alors, merci de votre question. Prochaine question de Gaëlle Marie. Bonjour, votre prédécesseur avait déjà reçu une requête qui reste toujours sans réponse. Extension des heures de 9h à 23h ou déplacer des pancartes pour extension de la zone, car j'appelle plusieurs fois à la ville pour faire mettre des contraventions et je suis vraiment déçu. Bonsoir. Merci pour votre message. J'aurais envie cependant de vous inviter à nous envoyer un courriel ou de nous transférer les courriels des requêtes précédentes que vous avez faites afin que vous puissiez mieux nous expliquer la situation puis afin de voir ce qui est possible de notre côté. Donc, n'hésitez pas à nous écrire afin qu'on puisse éclaircir la situation. Merci beaucoup et bonne soirée. Prochaine intervention de Mme Nicole Coury. Je suis handicapé, une personne aphasique. Ainsi, je demande de l'aide à un ami pour écrire cette lettre. Je suis une heureuse résidente de Rosemont depuis un peu plus d'un an. J'habite près de la rue Masson et Saint-Michel. J'adore mon quartier. Récemment, plus de restos et petits magasins ont déjà ouvert et on aimerait avoir plus de visiteurs pour se promener sur la rue Masson durant l'été. Et ça contribue favorablement à l'activité économique de Rosemont-la-Petite-Patrie. Hélas, la rue Masson manque beaucoup d'amour et a besoin de plusieurs travaux nécessaires non seulement pour l'esthétique. Il y a beaucoup de trous et crevasses qui abîment les voitures, les vélos. Mais surtout, cette rue n'est pas sécuritaire. Piétons et cyclistes peuvent se blesser aisément avec de lourdes conséquences. Merci beaucoup pour votre question. Je vais laisser votre question à des aspects assez techniques. Je vais laisser l'administration répondre à cette aux études techniques et vous répondre plus spécifiquement pour votre question. Et merci, Monsieur Limoges. Alors, bonsoir, Madame Coury. La rue Masson fait partie du réseau artériel et sous la juridiction de la Ville-Centre. Alors, nous sommes présentement interpellés justement par le service de l'urbanisme et de la mobilité pour les projets de réfection en 2023 et 2024 et certains tronçons de la rue Masson sont visés dans cette réfection. Alors, nous allons demander de prioriser dès 2023 l'ensemble des tronçons sur cette rue et pour assurer justement là, une meilleure circulation sur celle-ci. Et pour votre information, à titre indicatif, la section entre la 6e avenue et Saint-Michel a été réalisée là, dès l'automne 2019.
Donc, en espérant que cela répond à votre question. Merci, bonne soirée. Prochaine question de M. Alfred de Tivita. Sondage Ruelle Active, la première avenue et deuxième avenue entre Beaubien et Saint-Zotique, qui a été présentée non conforme. Ce n'est pas toutes les maisons qui ont reçu la feuille de sondage. J'ai parlé avec 4 voisins qui ne l'ont pas eu. J'ai appelé « Faites comme chez vous ». Ils m'ont répondu « ceux qui ne l'ont pas eu parce qu'ils ont fait du porte-à-porte ». J'ai dit que ce n'était pas vrai et le faites comme chez vous m'ont rappelé pour me dire que le comité a décidé de faire du porte-à-porte au mois de mars. La feuille de sondage était marquée à remettre pour le 28 février selon le site Faites comme chez vous. On fait du porte-à-porte en premier et la feuille de sondage est remise à ceux qui n'ont pu joindre. Comme vous voyez, ce sondage a été fait non conforme. Cela veut dire que si je n'aurais pas appelé le « Faites comme chez vous », le sondage aurait passé. J'en ai plus à dire, mais ce serait trop long. J'aimerais qu'une personne me rappelle. Bonsoir, M. Civita. Simplement pour vous informer que la période de candidature se termine le 20 mars. Donc, il y a prolongation et je pense qu'il y a quelqu'un déjà qui a essayé de vous contacter. N'hésitez pas à les relancer. Vous allez être en bonne main pour la suite du processus. Donc, voilà. Passez une excellente soirée. Prochaine intervention de Mme Isabelle Sawyer. Bonjour, j'aimerais savoir s'il serait possible de donner à Rosemont et auprès des partenaires de la ville de la visibilité à cette initiative de Maître Alexandre Dufresne, héberge des réfugiés ukrainiens. Il s'agit d'un effort de solidarité citoyenne pour proposer aux instances Québec-Canada une liste d'espaces volontaires au cœur de nos communautés pour héberger les ressortissants internationaux en besoin immédiat de relocalisation, dans le cas présent, les Ukrainiens. De rendre le groupe Facebook visible permettrait aux citoyens qui le désirent de s'inscrire à leur tour pour augmenter le nombre de places totales disponibles. Les réfugiés sont trop souvent amassés dans des bâtiments de style Factory Farm plutôt qu'accueillis ouvertement par un peu nous tous. Si cela fonctionne au Canada, c'est incroyable l'exemple international que l'on donnerait pour l'accueil des réfugiés. Merci de considérer et partager cet effort extraordinaire de Montréal. Bonjour, Mme Sayer. Merci pour votre question et votre commentaire. Je l'ai dit en ouverture, on est très, très sensible à la situation en Ukraine. On est très sensible au fait que le Canada devrait accueillir des réfugiés. On a invité la population à, entre autres, donner généreusement à la Croix-Rouge canadienne et à se concerter. Nous, on se concerte avec le Congrès ukrainien canadien, mais nous allons certainement aller voir l'initiative dont vous nous parlez. Ça nous intéresse et on en prendra connaissance certainement. Merci. Prochaine question de José Lavoie. Concernant le changement d'usage d'espaces, bureaux et restaurants du 764-766 rue de Bellechasse. Le plan actuel place un garage directement au niveau du mur vert dans la ruelle. Est-ce que la ville peut prendre en charge de réaménager le mur vert de l'autre côté de la ruelle, creuser et retirer le sol ainsi que remplir de terre? Le restaurant-bureau est sur une ruelle verte et ma famille a le parrainage de ce mur. Mes beaux-parents s'occupent du mur vert depuis des années et à leurs frais. Ils ont ajouté de la terre et plusieurs plantes. Nous nettoyons le sol des rebuts laissés par les passants. J'offre mon mur opposé au futur restaurant et garage pour y aménager un nouveau mur vert et, si possible, y replanter des vignes, sinon que de nouvelles vignes y soient plantées. J'ai avisé le comité de la ruelle verte de mon intention de faire réaménager le mur vert de mon côté de la ruelle. Bien, je vous remercie beaucoup, Madame Lavoie, de nous adresser votre question ce soir au sein du conseil d'arrondissement. Je vais d'abord vous remercier pour votre engagement citoyen dans votre ruelle.
Je pense que c'est un engagement qui demande beaucoup de temps à la lumière de ce que vous exprimez. Et c'est toujours, je pense que c'est important de toujours mettre en valeur tout le temps que les citoyens là, accordent comme engagement dans leur milieu de vie. Alors, voilà, le mot est fait. Pour ce qui est du projet comme tel, je vous informe qu'il va être bientôt soumis auprès du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement pour ce qui est là, de l'apparence extérieure du bâtiment. Et à ce moment-là, on va vraiment s'assurer que le projet favorise le verdissement de la ruelle, mais également aussi le verdissement de la rue. Pour l'autre mur dont vous nous parlez, ben, ce qu'on nous a indiqué de la part des services, c'est qu'un membre de l'équipe va vous contacter pour en discuter davantage avec vous. Alors, voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Prochaine intervention de Anne Bilodeau. Pourquoi les trottoirs sont si mal déneigés, rue Molson, Masson et les petites rues perpendiculaires, forçant les personnes avec des déambulateurs à marcher dans la rue au risque de leur sécurité ou pour tous à marcher sur une surface favorisant les chutes? Ceci alors que dans mon voisinage, les personnes âgées sont si nombreuses. Les gens s'empêchent de sortir tout l'hiver durant à cause de cet état de fait, surface glacée et ou enneigée. Il y a moyen d'agir puisque c'est effectif pour les pistes cyclables de vélo. Bonjour, Mme Bilodeau. Merci pour votre question. On voudrait simplement peut-être vous rappeler d'abord qu'on a un hiver qui est particulier et qui est difficile. Il y a beaucoup de précipitations. Il y a beaucoup de précipitations de neige, mais il y a aussi beaucoup de pluie, de glace, de grésil, de toutes sortes de cocktails météo qui rendent les opérations un peu plus difficiles. Mais on tiens à dire que la sécurité des piétons là, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est la priorité numéro un et qu'on va tout faire pour que ça demeure une priorité absolue de nos services. Alors, on nous informe que l'équipe des travaux publics va entrer en contact avec vous dans les prochains jours, donc très prochainement, pour valider certains points en rapport avec vos observations puis pouvoir apporter les correctifs nécessaires aux besoins pour que vous vous sentiez en sécurité sur les trottoirs là, quand vous sortez effectivement faire des courses ou que vous voulez aller dans votre quartier. C'est important que les trottoirs soient praticables. On essaie de toujours faire mieux, puis vos observations sont les bienvenues, puis les gens des travaux publics chez nous vont entrer en contact avec vous. Prochaine question de M. Pierre Mitchell. Qu'est-ce qu'on attend pour installer les panneaux de stationnement réservés pour la recharge des voitures électriques au coin de la 5e avenue et dans Durand? 95% du temps, les espaces sont occupés par des voitures à essence. Alors, Monsieur Mitchell, on vous remercie de nous signaler cette anomalie-là. D'après nos renseignements, il devrait y avoir un panneau. Il est toutefois possible qu'il soit tombé ou qu'il ait été retiré par mégarde. Alors, nos équipes nous indiquent qu'un inspecteur va aller sur place pour vérifier la situation, et si c'est le cas que le panneau est absent, ben nous allons le remplacer dans les meilleurs délais. Prochaine question de Mme Isabelle Franqueur. Je sais que vous avez mis des mécanismes comme un moratoire pour éviter les évictions abusives que nous subissons en tant que locataire. Aujourd'hui, cela me paraît toutefois insuffisant, vu que je me retrouve à me défendre face à une deuxième rénoviction en une seule année. Par mon combat, je me rends compte que nous sommes beaucoup de familles à devoir affronter ces situations. Mes propriétaires sont des multirécidivistes connus dans ma rue depuis plusieurs années pour avoir évincé et réalisé de multiples projets immobiliers. Ils sont visés par de multiples plaintes qui ne semblent rien donner et je me retrouve à me défendre seul au TAL devant des juges qui lui donnent pratiquement gain de cause d'avance à cause de cette loi qui date de 1959, une loi qui date d'il y a plus de 60 ans, oui. Loi qui permet d'évincer pour un agrandissement substantiel sans presque aucune considération pour les locataires, et ce même si la ville n'a pas encore validé la demande de permis. Après autant d'années à agir dans l'impunité totale, personne n'arrive pas à recouper les informations sur ces professionnels de l'éviction.
Ils utilisent toujours les mêmes stratagèmes. Les avocats spécialisés en rénoviction sont connus dans le milieu et leurs vices sont assez lamentables pour se débarrasser des locataires. J'apprends sur le tas comment me défendre et je me rends compte que le combat est totalement déséquilibré. Le comptoir des permis délivre des permis. Le tribunal administratif du logement valide que l'éviction est légale. C'est un flot continu de gens qui se déresponsabilisent de leurs actions et puis les locataires doivent dégager. J'ai bien conscience que chacun fait son travail de son mieux dans sa petite bulle. Tout le monde exprime de bons mots devant les médias lorsque c'est la mode de la saison et ça repart comme avant. Je considère qu'il est grand temps de nous retrousser les manches devant ces investisseurs sans aucune bonne foi qui s'amusent du peu d'intervention et de volonté politique auxquelles ils font face. Et ils ont bien raison d'en rire. Ils ne risquent finalement pas grand-chose par leurs actions totalement immorales. Question. J'aimerais vraiment savoir quel est le véritable plan et quelles sont les prochaines actions concrètes que vous comptez mettre en place pour combattre ce fléau que nous sommes toutes en train de subir depuis tant d'années. Je sais que ma question peut paraître bien complexe pour ce soir et après votre réponse, je vais revenir devant vous le mois prochain afin de faire un suivi car ce combat me tient à cœur. Cela va bien au-delà de mon propre combat personnel. Bonjour Madame Francoeur, merci pour votre question qui est moins une question qu'un cri du cœur auquel on ne peut pas rester indifférent. Je pense que mes collègues, autant que moi-même, sommes tout à fait sensibles. Et à ce que vous vivez, vous dites que c'est la deuxième fois que vous faites face à des rénovations. Puis vous voyez, tantôt, on en parlait dans une réponse à un citoyen précédent. On en parlait parce que, justement, il y a des personnes qui veulent agrandir, puis on a mis des règlements très sévères pour ne plus pouvoir agrandir les maisons parce qu'on est très sensible à la situation que vous vivez. Vous demandez quel est le plan, est-ce que ce n'est pas juste des mots à la mode? Vous avez raison, mais on en a un plan. On en a un comme administration d'Arrosemont-de-la-Petite-Patrie, puis on en a un comme administration municipale de Projet Montréal et de la mairesse Valérie Plante à la mairie de Montréal. Malheureusement, vous le dites vous-même, dans votre question contient une partie de l'essence du problème. C'est que Montréal ne peut pas agir seul. Montréal, la ville, a des pouvoirs extrêmement limités. L'arrondissement des pouvoirs est extrêmement limité. D'ailleurs, dans votre question, vous-même, dans votre préambule, vous dites que c'est le tribunal administratif du logement, le TAL, qui est la source de votre problème. Vous dites que vous nommez toutes les causes, là, que c'est à cause d'une loi qui date de 1959, une loi qui a 60 ans, le système au TAL qui favorise les propriétaires. Ça, malheureusement, la municipalité n'a aucune compétence sur le tribunal administratif du logement. Aucune. Alors, il faut vraiment comprendre qu'il y a une partie du problème qui n'est pas la ville et il y a une partie du problème qui est à d'autres paliers et auxquels il faudra vraiment travailler et quitter la solution est dans leurs mains. Au niveau municipal, on a une administration qui est proactive puis je vais prendre le temps de bien répondre parce que votre question, elle est sérieuse puis elle mérite qu'on y réponde avec beaucoup de détails. Là, vous permettrez que je prenne un peu de temps ce soir. Alors, on agit dans un cadre législatif très défini sur lequel on ne peut pas improviser. La loi des cités et villes est très claire sur les pouvoirs des municipalités et il n'est pas énorme le pouvoir des municipalités. Mais je vais quand même vous dire à l'intérieur de ce cadre-là tout ce qu'on a réussi à faire. À partir des pouvoirs et responsabilités que nous octroie ce cadre légal, on a restreint puis on a encadré l'hébergement de type Airbnb, parce que ça se multipliait. On l'a restreint à des secteurs très, très, très particuliers et très restreints. On a adopté un règlement qui interdit la division et la subdivision de logements qui fait qu'on ne peut plus transformer de triplex en unifamilial et on ne peut plus transformer de triplex en duplex pour les transformer en unifamilial. On protège les maisons de chambre. On a voté un moratoire sur la conversion de logements en condos. On a adopté une motion pour protéger les terrains institutionnels et les églises pour que leur usage demeure au bénéfice de la collectivité. Autrement dit, il n'est plus possible de racheter une église et de transformer ça en condo ou de racheter une ancienne école désaffectée et de transformer ça en condo. Ça doit être des logements sociaux ou communautaires où il doit y avoir un projet structurant pour la communauté. Ça, c'est un règlement d'arrondissement. On a travaillé avec Françoise David quand elle était députée de Gouin de manière très proactive pour qu'elle puisse déposer son projet de loi privé qui protège les locataires aînés.
Au niveau de la Ville-Centre, nos collègues à l'habitation, on a créé le premier outil municipal, le droit de préemption pour pouvoir acheter des terrains, être le premier acheteur sur des terrains pour pouvoir faire du logement social. On a mis l'accélérateur pour l'acquisition de terrains et de logements et de bâtiments pour la création de logements sociaux. Dans le dernier mandat, on a été la première administration en 30 ans à faire autant d'acquisitions pour des logements sociaux à Montréal depuis des décennies. Pas depuis des années, là, depuis des décennies. Il n'y a pas un matin au comité exécutif, quand je siégeais le mercredi, où on ne faisait pas l'acquisition d'un terrain, plusieurs terrains, d'un immeuble ou de plusieurs immeubles pour les transformer en logements sociaux. Ça, c'était du jamais vu. Puis, je ne suis plus le mercredi matin au comité exécutif, mais mes collègues, ils sont Mme Olivier, Mme Agnéus, Mme Joséphine Blanco, et je sais qu'elles ont une stratégie encore plus agressive dans ce mandat, parce qu'en plus du droit de préemption, on s'en va vers un nouveau concept d'accélogie qui va permettre de faire du logement sociable et abordable pérenne sur des terrains publics. On est la première ville au Québec à avoir adopté le règlement pour une métropole mixte qui oblige les promoteurs à faire du logement social et abordable dans toutes les nouvelles constructions. Pas seulement les grands ensembles de 200 condos, pas seulement si le promoteur veut bien, mais de rendre ça obligatoire pour tous les nouveaux projets. Alors, vous avez devant vous l'administration locale dans Rosemont-la-Petite-Patrie et l'administration de la Ville-Centre la plus agressive en termes de droits des locataires et la plus agressive pour faire du logement social et communautaire à Montréal. Mais ce n'est pas assez. Et il est temps que vous questionniez aussi. Et puis, ça nous fera toujours plaisir de vous parler, Mme Francoeur. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le prochain conseil d'arrondissement. On peut se reparler de vive voix en personne. On peut se parler au téléphone, on peut se rencontrer. Ça va nous faire plaisir parce qu'on y croit au logement. Mais je vous dis aussi, c'est le temps de questionner aussi vos élus provinciaux. C'est le temps de questionner vos gouvernements fédéraux et provinciaux, parce que nous, on agit depuis un certain temps déjà, mais on ne peut pas agir seul et on atteint la limite de ce que ça donne d'agir seul. Je vous remercie beaucoup pour votre question et je vous souhaite une excellente fin de soirée. La prochaine et dernière question nous vient de Mme Émilie Meyer. Bonjour, Monsieur le maire. Je fais partie d'un groupe de citoyens que vous avez rencontrés au sujet des nuisances du boulevard Saint-Michel. Est-ce que la demande pour diminuer la vitesse à 40 km/h sur le boulevard a été soumise? Si oui, quand pouvons-nous espérer une réponse et un changement de la réglementation? Merci. Alors, bonsoir, Mme Meyer. Je suis très heureuse de voir que vous êtes encore mobilisée sur cette question, et puis on vous encourage beaucoup à continuer. Alors, vous serez heureuse d'apprendre qu'on a donné le mandat aux équipes de faire les démarches nécessaires auprès du ministère des Transports du Québec, parce que comme l'avait déjà répondu M. le maire au conseil municipal de la Ville de Montréal, comme on avait déposé une demande pour mettre un radar de vitesse là, il faut donc que le MTQ accepte de ne plus qu'on réduise la vitesse et de ne pas mettre ce fameux radar là. Donc, on a fait cette demande-là et on nous confirme que le travail a été fait et qu'on devrait très bientôt avoir des bonnes nouvelles à vous transmettre à cet effet. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est ce qui met un terme à la période de questions du public à 20h08. On poursuit avec l'étude des dossiers à l'ordre du jour. 20.01, conclure des ententes cadres de services professionnels avec FNX Innov Incorporé et IGF Axiom Incorporé pour la réalisation d'études, la réalisation de plans et devis ainsi que la gestion et la surveillance de chantiers. Je propose l'adoption de ce point appuyé par la conseillère Alnéus. C'est adopté. 20.02, autoriser une dépense additionnelle de 143 250 $ et 4 sous taxes incluses pour couvrir les coûts des services professionnels déjà rendus en lien avec le réaménagement et l'agrandissement du chalet du parc de la Louisiane. J'en propose l'adoption appuyée par le conseiller Jocelyn Posé. C'est adopté. 20.03, autoriser une dépense totale de 155 027 $ et 51 sous taxes incluses, prolonger le contrat de balai le permanent incorporé pour les services de location de balais de rue du type aspirateur avec opérateur pour une période additionnelle de 12 mois.
J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 20.04, autoriser une dépense totale de 46 546,25 $ sous taxes incluses. Prolonger le contrat de Les Revêtements Celtec Incorporé pour la location d'un balai aspirateur compact avec opérateur pour une période additionnelle de 12 mois. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Olivier. C'est adopté. 20.05, autoriser une dépense totale de 62 976 $ 41 sous taxes incluses. Prolonger le contrat de Les Revêtements Celtec Incorporé pour le service de location d'un balai compact pour piste cyclable avec un opérateur pour une période additionnelle de 12 mois. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Jocelyn Posé. C'est adopté. 20.06, autoriser une dépense totale de 204 644 $ taxes incluses. Prolonger deux contrats accordés à l'épavage d'Ancor 2009 incorporé pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur entretien et accessoires. Je fais la proposition de ce point appuyée par la conseillère Josefina Blanco. C'est adopté. 20.07, résilier la convention de contribution financière avec les loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont pour la partie du projet d'occupation de milieu prévu au parc Joseph-Paré à l'été 2022. Approuver une convention avec Sport Montréal Incorporé pour la réalisation du projet station loisirs dans les parcs Beaubien et Joseph-Paré à l'été 2022 et octroyer une contribution financière totale de 60 000 $ pour 2022. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 20.08. Approuver deux conventions avec les organismes baseball du Grand Rosemont et Club Vainqueur Jeunesse pour la réalisation de leurs projets respectifs dans le cadre du programme Club sportif et activités sportives pour la période du 8 mars 2022 au 31 décembre 2023. Je propose le point appuyé par le conseiller Posé. C'est adopté. 20.09, approuver une convention avec le Centre social et communautaire de la Petite Patrie en soutien à l'acquisition de l'immeuble ci au 6839 rue de Relais, octroyer une contribution financière de 150 000 $ conditionnellement à l'acquisition du dit immeuble. Je propose l'adoption du point appuyé par les conseillers et conseillères Posé, Blanco, Alnéus et Olivier. C'est adopté. 20.10, approuver un avenant modifiant la convention 2021-2023 intervenue avec l'organisme Service des loisirs Angus Bourbonnière pour la réalisation de son projet du programme activité de loisirs de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. J'en propose l'adoption appuyée par la conseillère Dominique Olivier. C'est adopté. 20.11, autoriser une dépense totale de 418 845 $ 88 sous taxes incluses, accorder un contrat au même montant à Potters Canada, division P&A Partnership, seul soumissionnaire pour la fourniture sur demande de microbilles de verre pour la peinture du marquage routier pour 36 mois avec deux options de renouvellement de 12 mois. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Erika Nils. C'est adopté. 20.12, approuver un avenant à la convention de partenariat entre la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente de l'Université du Québec à Montréal, la Ville de Montréal et l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie afin de préciser la date de transmission annuelle des états financiers vérifiés au vérificateur général de la Ville de Montréal. Je propose l'adoption du point appuyé par le conseiller Jocelyn Posé. C'est adopté. 20.13, approuver deux projets de convention afin d'accorder une contribution financière de fonctionnement pour l'année 2022 à la SIDAC Promenade Masson et à la SDC Petite Italie Marché Jean Talon Montréal, accorder une contribution financière totale de 100 000 $ soit 50 000 $ chacune. J'en fais la proposition et je suis appuyé par la conseillère Dominique Olivier. C'est adopté. 20.14, approuver un projet de prolongation de bail par lequel la Ville loue d'Hydro-Québec pour un terme additionnel de 5 ans à compter du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2028, un terrain situé à l'angle des rues d'Endurant et de Lorémier, aux fins de deux aires de service temporaire pour les arrondissements de Rosemont-la-Petite-Patrie et du plateau Mont-Royal, moyennant un loyer total de 1 652 $75 sous taxes incluses. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Josefina Blanco. C'est adopté. 30.01, prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées
des listes de bons de commande approuvés, des listes de demandes de paiement et des listes de virements de crédit. Je le propose, appuyé par la conseillère Almeus. C'est adopté. 30.02, prendre acte du dépôt par le secrétaire d'arrondissement d'un procès-verbal de correction relatif à la résolution CA-21-26-0231 du 24 novembre 2021. J'en prends acte, appuyé par le conseiller Jocelyn Posé. C'est adopté. 30.03, accepter une aide financière de 15 624 $ de sport et loisirs de l'île de Montréal afin de soutenir les activités de prêt d'équipement et de glisse dans quatre parcs de l'arrondissement, pour la saison estivale 2021-2022, approuver l'entente dans le cadre du programme de parcs actifs de sport et loisirs de l'île de Montréal. Je propose l'adoption, appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 30.04, autoriser un virement de crédit du compte de surplus de gestion affecté divers d'une somme de 110 000 $ pour le financement d'un poste de commissaire au développement économique à la division des relations avec les citoyens. Alors, très fièrement, je fais la proposition d'adopter ce point, appuyé encore une fois par les conseillers et conseillères Blanco, Posé, Almeus et Olivier. C'est adopté. 30.05, autoriser un virement de crédit de 12 500 $ du compte de surplus de gestion affecté divers pour un aménagement temporaire sur le domaine public à l'espace 40e Beaubier. Je le propose, appuyé par le conseil Posé. C'est adopté. 30.06, offrir en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, un service de marquage de la chaussée pour la saison 2022 aux arrondissements d'Anjou, L'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, Lachine, Montréal-Nord et Saint-Laurent. Je le propose, appuyé par le conseiller Arneus. C'est adopté. 30.06, accepter l'offre de service du conseil municipal en lien avec le plan de la forêt urbaine sous la responsabilité du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports. Je le propose, appuyé par le conseiller Blanco. C'est adopté. 30.08, accepter l'offre de service du conseil municipal en lien avec la fourniture du service 3-1 sur l'ensemble des plages horaires, soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés. Je propose, appuyé par le conseiller Olivier. C'est adopté. 40.01, édicter 4 ordonnances, programmation d'événements publics. J'en fais la proposition, appuyé par le conseiller Almeus. C'est adopté. 40.02, édicter une ordonnance afin d'interdire la circulation des véhicules routiers pour certains accès de 7 ruelles localisées dans l'arrondissement. Alors, je propose très fièrement que nous permettions la fermeture de ces ruelles et encore une fois, je serai appuyé par la conseillère Joséphine Blanco. C'est adopté. 40.03, autoriser les usages bureaux et restaurants conformément au règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Occuper dans le cadre d'une demande d'usage conditionnel les locaux situés au 764 et 766 rue de Bellechasse. J'en fais la proposition, appuyée encore une fois par la conseillère Blanco. C'est adopté. 40.04, adopter une résolution autorisant la construction d'un bâtiment résidentiel de 4 étages avec mezzanine situé au 3420 boulevard Saint-Joseph. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Olivier. C'est adopté. 40.05, adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, le RCA 169, afin de procéder à des corrections. » J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. Et finalement, 60.01, déposer le bilan annuel des objectifs de plantation du plan maître de plantation 2020-2024 de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie suivant les plantations effectuées en 2020 et 2021. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Almeus et j'invite toutes et tous à en faire la lecture parce que nous avons vraiment planté beaucoup d'arbres dans les dernières années. C'est adopté. L'ordre du jour est épuisé à 20h19.
Merci, M. Saint-Laurent. J'en profite pour remercier toute l'équipe administrative qui est avec nous ce soir. On a oublié de se présenter, hein? D'habitude, on fait les présentations en début de séance. On a sauté cette partie-là. On va mettre ça sur la fatigue du télétravail, vraiment. Alors, je vais vous nommer. Je tiens à remercier M. Lafond, directeur d'arrondissement, Mme Bonenfant, directrice des affaires. Mme Bonenfant, Mme Rousseau, M. Saint-Laurent qui en avait fait la lecture, M. Napper, merci d'avoir été, M. Savaria, merci d'avoir été avec nous. On apprécie de pouvoir compter sur votre expertise pendant ces soirées, mais pendant toute l'année. Et merci aux gens qui permettent la web diffusion. Et merci encore une fois, tout spécifiquement, aux Rosemontoises et Rosemontois qui nous écoutent à la maison depuis 2 ans maintenant que nous sommes en Zoom comme ça. Et espérons-le que ça se termine. On a vraiment hâte de vous retrouver pour un très court temps dans la salle du conseil, parce qu'ensuite, nous allons réaliser un autre engagement électoral et se mettre à la rencontre des résidents de Rosemont, des résidentes et résidents de Rosemont, la petite patrie, un peu partout sur le territoire. Nous allons commencer dès cette année les conseils d'arrondissement itinérants à différents endroits de l'arrondissement. Alors, à suivre pour un conseil d'arrondissement près de chez vous. Merci. Bonne fin de soirée.